Et salut tout le monde, c'est Fibzi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir au titre et aussi à la miniature, je suis sur Hypixel et aujourd'hui on va regarder les joueurs suspectés de triche et on va devoir dire si selon moi ils trichent. Voilà, donc slash atlas atlas, c'est la commande pour avoir accès au menu qui permet de regarder les joueurs qui ont été report en tant que tricheurs. Et du coup c'est parti, j'en ai directement lancé en Skywars, on a du Skywars, du Bedwars et du Duel. Voilà, c'est parti. Ok, en Skywars du coup qu'est-ce que ça donne? Salut notre suspect, c'est un peu écrit au-dessus. Alors... Ok, il nous fait un bruit de jeu normal, plus ou moins, ça va pour le moment. Même pas plus ou moins, mais il fait un bruit de jeu normal, avec un petit coup de TP ça passe son ping. Alors, ok, il s'équipe en fou en fer, en full fer, presque enchante partout. Ouais, il va changer son casque, non, même pas, bizarre. Il a un casque pas enchante et il vient de récupérer un enchante, je crois. Bref. Alors, notre suspect, pourquoi est-ce qu'il a été report? Est-ce qu'il a été report par Epixel directement parce que c'est un des premiers à être au middle? Ok, direct, un fight, c'est parfait. Ou est-ce qu'il a été report par un joueur parce qu'il triche réellement? Ouh là là, il a quasiment pas pris de coups. Bah il a pas perdu beaucoup de vie en tout cas. Après c'est peut-être parce qu'il en a gagné en faisant les kills. En tout cas, il a pas le comportement d'un tricheur pour le moment. Alors, pour le moment, il triche pas. Bah G, c'est un peu suspect. Tu fais combien de tours par contre? C'est un peu suspect le qui a tué les deux personnes et qui est resté à sa score après, mais c'est possible sans tricher d'être dans cette situation. Moi ça va pas m'arriver parce que je suis nul au PVP. Mais sinon c'est possible aux autres joueurs s'ils sont un minimum forts. Bah voilà. Du coup, preuve insuffisante. Voilà, on lance directement un petit bet de Warze de 4 minutes 31. Du 4v4, c'est tout, deux teams de 4. L'autre team ça doit être la rouge, elle doit être par là-bas, ouais. Oh ils ont déjà un lit des... comme ça. Ah oui le lit, non, le lit est déjà, non il est pas, il est pas déjà défendu, c'est Epixel qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi je réduis la vitesse moi? Mon suspect il est là, ok. Oula, bizarre ça un peu. Mais bon. Bah. Ah oui, ok, le lit a découvert. Il est où mon suspect? Il est là. Ok. Je suis en vitesse x1. Je vais rester en x1 pour le moment. Ok. Avoir des échelles dans son inventaire, ça sert à quelque chose, je suis en train de me dire. Je pensais pas. Je n'en achète jamais, moi je trouve que ça sert à rien. Oh, bah en vrai, ça peut sauver quand même. Donc, quand tu serais tombé là en vrai avec des blocs, tu remontes. Hein. Ah non, il est passé. Ouais, bah c'est pas grave, y a ces mecs qui vont défendre un peu quand même. Oh non, ah oui, ok, j'ai cru qu'il allait survivre à tous les fights, mais non. Wow, par contre, c'est. C'est muraillé. Petit cadeau en or. Alors, ça c'est mon suspect qui ne triche pas encore, ou pas pour le moment, pas pour moi en tout cas. Après, je suis pas le seul à voir cette vidéo, cet enregistrement, donc il y en a d'autres qui font comme moi là, qui regardent dans le système Atlas, qui vont voir du coup si pour eux ils trichent et si il y a beaucoup de personnes pour qui ils trichent, il va être envoyé au vrai modérateur d'Hypixel. Ah. Ok. Par contre, c'est n'importe quoi là. On dirait du The Bridge. Oh.
screen, je ferai un screen. Ok, je vais mettre comme ça plus. Voilà. C'est reparti. Parce que j'ai quasiment plus de screen pour les miniatures. Bah, j'ai quand même beaucoup de miniatures d'avance, mais... Mais après... Bah j'en aurais pu. Il y a que pour les miniatures Twitter que je regarde, bah, que je fais des miniatures en avance. Sinon ça me sert à rien. Il est... Quoi, il est déjà là-bas? Il est pas... Ne me dis pas que j'étais en train de suivre la... j'étais en train de suivre le mauvais joueur. J'étais en train de suivre le mauvais joueur. C'est n'importe quoi. Là, c'est le bon, oui, c'est le bon. Quand j'ai fait mon screen, j'étais déstabilisé, je savais plus qu'il fallait suivre. Bah lui, il est... pas très... pas très... Si, il est bon, c'est un bon, parce que moi j'aurais fait pareil. Alors... Bah du coup, en vrai, il file pas, hein. Preuve insuffisante. Voilà, on va en duel. Bah on va en duel, on va regarder... des duels. On va regarder un duel de 2 minutes 15, ah ouais. Under Pearl, elle va où l'Under Pearl? Ah oui d'accord, est-ce que c'est, est-ce qu'il a force ou un truc du genre? Sharpness, strength, ouais ok. J'ai remarqué quand ils ont strength les joueurs, ils arrivent à faire ça. Ouais ok, il y a les deux qui arrivent à se taper comme ça, donc c'est que les deux ont le même effet. Et puis il y en a pas un qui perd plus de vie que l'autre, non ok c'est bon. Ok. Bah là pour le moment ils suivent pas. Pour le moment les deux sont legit. Les deux ne trichent pas forcément. Il y a même peu de chances qu'ils trichent parce que sinon ils auraient utilisé un cheat dans, durant la partie. Ouais bah fuis, vas-y fuis. Mais toi t'as des underpearls, tu peux le rattraper. Bah quand pris une underpearl pour aller sur un combat, c'est pas ouf. Pour fuir d'un combat, ok. Pour aller sur un combat, non. Il se fait démonter par contre le player one. Bah il est AFK. Ah ok, ils doivent parler dans le chat. Bah, il est pas AFK mais il écrit dans le chat. Ils doivent parler. Bah c'est sûr même. Ouais, je pense qu'ils ont dû se parler sinon ils auraient continué le fight. Il se fait... il se fait un... il se fait pousser. Ok, voilà, quelques screenshots pour les miniatures. Allez, on y va, on repart. Ok, bah mais c'est bon du coup là en vrai y'a pas de cheat, hein. Preuve insuffisante, hein. Juste il n'y en a aucun qui perd de la vie donc ça doit être très chiant. Un PVP où à chaque fois y'a personne qui perd de la vie. Mais bon, c'est peut-être parce qu'ils avaient des effets de résistance mais du coup après, bah, c'est pas ouf. On est en Skywars, on y retourne en Skywars. Il doit être à l'arrêt pour paramétrer cette cheat. c'est quoi ça? Ah ok, ok. Attends, on ne part pas trop. Je pense que t'as paramétré cette cheat, mais... Oui, il a dû les paramétrer. Il est mort. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il a fait un truc bizarre avec ses blocs, donc je mets... Qui triche. Il y a un petit doute, mais... En vrai, ça aurait pas tellement pu être possible ça sans tricher, donc... Donc il y a quasiment pas de doute. Ouais, j'ai un petit doute de plus que les autres fois où je mets qui cheat et qu'il n'y a aucun doute. Mais et là, oh, je voulais quand même mettre qui cheat. Mais de toute façon je suis pas le seul à avoir ça, donc s'il y en a d'autres qui pensent qu'il cheat pas, c'est bon. Hein. Ok, lui il s'est fait tuer. C'est quoi ça? Ah non, c'est juste des feuilles. J'ai cru qu'il y avait une Nether Pearl. C'est parce que c'est la même couleur. Mais non, ok, oula. Mais pourquoi il fuit? Ah ok, under, Golden Apple. Petite Gapple. Ouais bah toi ça sert à rien d'aller au combat.
Ah, quoi que si, ah oui, il est en cuir. J'ai cru qu'il était qu'il était bien équipé, mais en vrai, pas tant que ça. Même lui, limite, il est plus équipé. Le player 7, limite, il est plus équipé que lui. Quoique. Ouais, je sais pas en vrai. Parce que le cuir, ça défend quand même un peu bien. Et là, du coup, pour le moment, il n'y a pas de cheat. Bah, preuve insuffisante, hein. Même si il les tue tous, en vrai. Preuve insuffisante, j'ai lancé un petit Bed Wars de 9 minutes. Ouh, la Bayou. Attends, j'ai vu un truc partir loin devant là. C'est quoi? Je vais mettre au ralenti. Ah, ok, c'est Player 8. D'accord. Report the player cheating. Voilà. Ça, c'est un cheat. J'ai bien fait de voir un truc qui part parce que la vitesse où bon, on se remet la scène. À la vitesse où il est parti. Il est déjà là-bas. Ça fait une seconde que l'aiguille est lancée. Il est déjà à la base bleue. Je pense qu'ils ont report le mauvais. Quoique après, c'est possible que lui cheat aussi, hein. Ils sont en équipe donc en vrai ils peuvent être plusieurs à cheat, hein. C'est déjà arrivé. Toute une team qui cheat. Bah encore toute une team qui cheat, non j'y crois pas. Ouais. C'est possible, hein. Ah bah non, pas lui. Toi c'est bon, t'as été report player 8, tu peux partir. Tu peux y aller, tu peux aller où tu veux. Ils ont plus de lit. Ah ouais, et bah moi mon suspect en tout cas, preuve insuffisante. Je suis sûr juste qu'il y en a un qui cheat, c'est d'ailleurs que j'ai report. Au début ce qu'il a fait, c'est pas normal. Ok, c'est reparti. Bah c'est parti. Pourquoi je dis c'est reparti? Non, c'est juste parti. Il prend pas de knockback. Il preuve, y a pas de doute. À chaque fois, je me trompe. Il cheat, y a pas de doute. Il prenait pas de retour en arrière. Voilà. Et bah, j'espère que cette petite vidéo de presque 13 minutes où on regarde des joueurs suspectés de triche vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like si ce n'est pas encore fait. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. À partager ma chaîne YouTube sur bah, où vous voulez, hein, si vous avez envie. Oula. Et rejoignez mon serveur Discord aussi si vous voulez. Il est dans la description de cette vidéo et de toutes les autres. Allez, bye bye, et puis au revoir. À lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Les pires cheaters.